ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا إخوتي الكرام نتابع ونواصل دروسنا من هذا الكتاب القيم ووصلنا إلى باب جديد ومسألة جديدة قد ذكرت في أيام سابقة ألا وهو من علامات أهل السنة الثبات على الحق والائتلاف ونبذ الفرقة Parmi les signes distinctifs des gens de la Sunna, rappelez-vous mes frères que l'auteur du livre a cité plusieurs signes distinctifs des gens de la Sunna et nous avions détaillé certains de ces signes, parmi eux l'amour qu'ils portent envers les savants de la Sunna. Nous avions aussi vu l'ittiba', le suivi scrupuleux qu'ils observent envers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'une manière générale la législation divine. Troisièmement, nous avions vu la semaine dernière qu'ils sont dans une voie de juste milieu. Naam. La ifrata fihim wa la tafrit. Ni exagération, ni non plus laxisme et nonchalance. Et enfin, dans la continuité de ces signes, l'auteur ici nous dit, parmi les signes distinctifs des gens de la Sunna, le raffermissement sur la vérité, ainsi que l'union entre eux et le rejet de la division. Donc ici, il y a deux problématiques qui sont posées. C'est le raffermissement sur la vérité. Les gens de la Sunna se caractérisent, entre autres, comme nous allons le voir à la fin du chapitre, بِالثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ Le raffermissement, ce sont des gens qui sont fermes, qui sont solides, qui ne sont pas ébranlés par toutes sortes de choses concernant leur religion et concernant la vérité sur laquelle ils sont. Ça, c'est la première problématique qui va être traitée. Et la deuxième, c'est que ce sont les gens, comme nous l'avions déjà vu à maintes et maintes reprises, ce sont les gens de l'union, de l'entente, et ils rejettent en même temps la division et la dissension. ويقول المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى من علامات أهل الحديث أتباع منهاج النبوة أنهم أهل ائتلاف واتفاق وثبات واستقرار على الحق فأهل الحديث أتباع منهاج النبوة يحرصون على الجماعة ونبذ الفرقة Donc, je pense que cela, à ce niveau du livre, doit être clair pour vous, mes frères. Parmi les signes des gens du hadith, les suiveurs de la voie prophétique, ce sont les partisans de l'union et de l'entente, du raffermissement et de la stabilité sur la vérité. Et rappelez-vous de ceci, sur la vérité, c'est très important. Être ferme et solide sur la vérité et non pas sur le faux. Car on verra qu'il y a des gens qui font preuve de fermeté, qui patientent, mais sur le faux. Naam. Et ceci n'a pas de valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui compte, c'est le fait de patienter, d'être ferme et solide sur sa religion, mais concernant des fondements qui sont valides et authentiques aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi, il dit, car les gens du hadith, les suiveurs de la voie prophétique, sont assidus au groupe et ils sont réfractaires à la division. D'accord ? Je pense que ceci se passe de commentaire à ce niveau du livre, mes frères. ثم يقول ولكن الجماعة التي يجتمعون عليها هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. Bien sûr,
le groupe sur lequel ils se réunissent, c'est ce sur quoi était l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons, qu'Allah les agrée. Écoutez bien cette parole de Abu Mutfar al-Sam'ani, une parole que j'avais déjà citée. Elle est très importante à comprendre. Elle nous montre la preuve concernant le fait que les gens de la sunna sont les gens de la vérité. C'est une preuve conceptuelle, rationnelle, que chacun d'entre nous peut concevoir et appréhender. Yaqul, qala Abu Mutfar al-Sam'ani, رحمه الله تبارك وتعالى يقول ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما إن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد وهل على الحق دليل أبين من هذا قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا Abu al-Muzaffar, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Donc il dit, ce grand imam, qu'Allah lui fasse miséricorde, et la preuve que les gens du hadith, sont les gens de la sunna, comme nous l'avions déjà vu, et la preuve que les gens du hadith sont sur la vérité, c'est que si tu retraces l'ensemble de leurs ouvrages, tu feuillettes l'ensemble de leurs livres, du premier au dernier, anciens et récents, malgré les différentes contrées et les différentes époques à laquelle ils sont apparus, ainsi que l'éloignement de leur demeure, chacun habitant dans une contrée autre que son coreligionnaire, si tu retraces ceci, et si tu regardes méticuleusement chacun de leurs propos dans leurs livres, ou alors dans leurs propos, tu trouveras dans l'explication de la croyance et du credo, qu'ils sont sur une même voie. Naam, les frères. Relevant d'une même empreinte, cheminant sur ceci sans être touchés par la déviance ni les penchants. Leurs propos sur ceci sont uniques. Leurs actes sont uniques. Tu ne trouveras pas parmi eux de divergence ni de division dans quoi que ce soit, si minime soit-elle. Mais si tu devais rassembler l'ensemble de ce que leurs langues ont proféré, et ce qu'ils ont rapporté de leurs prédécesseurs, tu remarqueras qu'ils proviennent d'un cœur unique. Proférés sur une seule et même langue, il y a-t-il concernant la vérité une preuve plus claire que celle-ci? Le Très-Haut a dit, Tabaraka wa ta'ala, n'ont-ils pas médité sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de maintes contradictions. Et le Très-Haut a dit aussi, et accrochez-vous tous ensemble à la corde d'Allah. Et la corde d'Allah, nous avions dit que c'est le livre d'Allah. Et ne vous divisez pas, et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. Il a uni vos cœurs, et vous êtes devenus par sa grâce des frères. Naam, les frères. Si l'on retrace l'ensemble des ouvrages des pieux prédécesseurs, anciens ou récents, malgré les contrées diverses dans lesquelles ils ont vécu, ou les époques diverses dans lesquelles ils ont vécu, vous trouverez que dans la croyance et dans l'éclaircissement de la aqida, ils ont les mêmes propos. Ils ont les mêmes actes. C'est comme si tout ce qu'ils disent provenait que d'un seul cœur et étaient proférés par une seule et même langue. C'est comme si en fait, ils représentaient à eux tous une seule et même personne. Et ceci, c'est une des plus grandes preuves qui prouve
que les gens de la Sunna sont sur la vérité. Pourquoi? Car ils puisent leur religion d'une seule et même source. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. N'ont-ils pas médité sur le Coran? Car s'ils venaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de maintes contradictions. Donc si ces gens-là, les gens de la Sunna, dans la croyance, se contredisaient les uns les autres, cela prouverait qu'ils prennent leur croyance de plusieurs sources. Mais vu qu'ils ne divergent pas, vu qu'il n'y a pas de contradiction dans tout ce qu'ils disent malgré les époques qui les séparent et les lieux qui les séparent, ceci nous prouve qu'ils ont pris leur croyance du livre d'Allah, sur lequel il n'y a aucune contradiction, et sur la sunna du prophète authentique, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que dit ici l'auteur. Et aussi l'auteur ramène un deuxième verset coranique où Allah dit, tabaraka wa ta'ala, et accrochez-vous tous ensemble à la corde d'Allah, et ne vous divisez pas, et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous, lorsque vous étiez ennemis, il a uni vos cœurs. كَأَنَّهُ عَلَىٰ قَلْبٍ وَاحِدٍ. Et vous êtes devenus par sa grâce des frères. Donc, الائتلاف نعم والاتفاق يسبب الاجتماع في العقيدة كأنها جاءت من قلب واحد أو نطقت على لسان واحد. C'est comme si cette croyance-là qu'il propage et qu'il véhicule à travers les siècles et les époques et les lieux, c'est comme s'il provenait que d'une seule et même personne. Voilà le sens de la parole de l'imam Abu al-Muzaffar al-Sam'ani, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Et ceci est une des plus grandes preuves qui nous prouve que les gens de la sunna sont les gens de la vérité. Regardez à l'opposé les gens de la division, les gens de l'innovation religieuse. Ils divergent les uns les autres. Naam. Ils ne s'entendent pas les uns les autres, surtout dans les fondements de la religion, et en l'occurrence, la croyance, le credo ou la aqida. يقول الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى معلقا على هذا الكلام فهذه آية وعلامة وعليك أن تستخدمها دائما وأن تدفع بها دائما في وجوه أهل البدع عليك أن تقول لهم لو طالعتم جميع كتب أهل الحديث الذين هم على الحق من أولهم إلى آخرهم من قديمهم إلى حديثهم مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار لو فعلتم يا أهل البدع لوجدتموهم في بيان الاعتقاد على وترة واحدة ونمة واحد وكلمة واحدة يجرون فيها على طريقة لا يحيد عنها ولا يميلون فيها قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما إن قل بل لو جمعتم جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم لوجدتموه كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد فهل على الحق دليل هو أبين من هذا نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Vous voyez que Cheikh Rassan a repris mot pour mot les propos de Abu al-Muzaffar al-Sam'ani. Comme nous l'avions déjà expliqué, ceci est une méthode chez les salafs qui reprennent les propos des pieux prédécesseurs afin justement de rester cohérent avec la parole de ces gens-là, de ces grands imams, naam, et de ne pas inventer de nouvelles terminologies qui pourraient porter à confusion ou à ambiguïté. Donc il réitère les mêmes propos. Mais il dit au début, ce verset constitue un signe. Il est de ton devoir de l'utiliser à tout moment et que tu l'exposes continuellement à la face des gens de l'innovation. Non, les frères? Non. Il est de ton devoir de leur dire, si vous retracez l'ensemble des livres des gens du hadith qui étaient sur la vérité du premier au dernier, jusqu'à ce qu'ils citent la parole de Abu al-Muzaffar dans son intégralité. Non. Donc, on peut leur imposer ceci aux gens de l'innovation, en leur disant, informez-moi, nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Informez-moi par une preuve claire et évidente. Si vraiment vous êtes véridique, il y a-t-il une preuve plus claire que celle-ci sur le fait que les gens de la sunna
Les gens de la Sunna sont sur une croyance unique, une voie unique, même si des divergences peuvent apparaître dans les ramifications de la religion, notamment dans les problématiques de jurisprudence. Mais ceci n'est pas préjudiciable, comme on le verra à la fin du chapitre, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. On est qui dans les fondements de la religion, la yakhtalifoun. Là, mes frères, fait au solide din, la yakhtalifoun. La sahaba, wa la tabi'oun, wa la atba'u tabi'in, wa la man tabi'ahum bi ihsan. Ila yawmina hadha, mimman yantasibu ila ahli sunnati wal jama'ati. C'est pour ceci que Cheikh Al-Aslan nous dit, un peu plus loin, donc page 364, Inch'Allah. Donc ici l'auteur nous dit, « وَالسَّبَبُ فِي اتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَا هُوَ ?» Quelle est la cause pour laquelle ils se sont unis ? Quelle est la cause qui ont fait qu'ils sont sur une voie unique ?« هُوَ أَنَّهُمْ أَخَذُوا الدِّينَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ مِنْ تَرِيقِ النَّقْلِ فَأَوْرَثَهُمْ ذَلِكَ الْاتِّفَاقَ وَالْإِتِلَافِ » Wallah, mes frères, hadihi mas'alatun muhimmatun fi ghayatil ahammiyya. Ce que je vais expliquer ici, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. Cheikh Al-Aslan pose la question en disant, quelle est la cause concernant l'entente des gens du hadith entre eux? Comment se fait-il qu'entre eux ils ne divergent pas? Non. Quel est le motif? Quelle est la cause de ceci? Il répond, la cause réside dans le fait qu'ils ont puisé leur religion du livre et de la sunna par la narration, bin naqli aw bi riwayati, par la narration du hadith. Et ils ont hérité par ce biais de l'entente et de l'union. Effectivement, notre religion, barakallahu fikum, nous la puisons par la narration, bi riwayati, bin asanid al muttasilati ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, par des chaînes de transmission remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam ininterrompu, bi asanida muttasilatin, ininterrompu. Et ceci c'est très important, car c'est un gage de fiabilité concernant l'application de notre religion. Allah nous dit tabaraka wa ta'ala, ou Allah dit par la bouche de Yusuf alayhi salam, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Il dit, voici ma voie à laquelle j'appelle moi ainsi que ceux qui me suivent. على بصيرة, basée sur une preuve ou sur une science. Donc lorsque l'on retrace ou lorsque l'on narre les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les narre de par des chaînes ou par le biais de chaînes de transmission ininterrompues qui ont fait l'objet d'une étude méticuleuse. Chaque homme de la chaîne a été passé au crible, à savoir quelle est son intégrité religieuse d'une part et quelle est sa fiabilité dans la transmission du hadith. Si un de ces deux critères venait à manquer à plus ou moins grande échelle, la chaîne de transmission s'enverrait altérée au regard de son authenticité. Non, mes frères? Et ceci est une chose par laquelle se distinguent les gens de la sunna dans toutes les religions du monde. Parmi les gens de l'islam et aussi parmi les autres religions. Il n'y a pas une seule religion qui retrace les faits et gestes de leurs prophètes dans les moindres détails avec cette étude, avec ces narrations par des chaînes de transmission authentiques et ininterrompues, remontant jusqu'au trois prophètes, retraçant les faits et gestes et les descriptions de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne trouverez pas, sauf chez les gens de la sunna. Il n'y a que eux qui ont fait ce travail. Naam. Donc qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Al-Aslan ? La cause réside dans le fait, la cause de leur entente et de leur union, réside dans le fait qu'ils ont puisé leur religion du livre de la sunna par la narration. Et ils ont hérité par ce biais l'entente et l'union. Quant aux gens de l'innovation, d'où ont-ils puisé leur religion? Non.
فالنقل والرواية من الثقات المتقنين قلما يختلف وإن اختلف في لفظة أو كلمة فهو اختلاف لا يدور في الدين ولا يقدح فيه وأما دلائل العقل فقلما تتفق فالرواية معصومة متفقة بلا اختلاف ودلائل العقل قلما تتفق. Il dit, quant aux gens de l'innovation, d'où ont-ils puisé leur religion? La réponse, ils ont puisé leur religion des conceptions rationnelles, comme nous l'avions déjà vu, en faisant prévaloir la raison humaine sur les textes religieux. Notamment dans la croyance, chose qu'il ne faut surtout pas faire. Ils ont hérité de ceci, de cette chose-là, le fait de faire prévaloir la raison sur les textes religieux, ils ont hérité de quoi? De la dissension et de la division. Voilà ce qu'ils ont gagné au final. Et la narration des gens intègres et fiables n'est que très peu sujette à l'erreur. Même si des divergences pourraient survenir dans un mot ou un terme, elles constitueraient une divergence non préjudiciable pour la religion et n'attenteraient pas son intégrité. Quant aux preuves tirées de la raison, elles sont très peu sujettes à l'union et à l'entente. La narration est immunisée contre l'erreur, concordante, sans contradiction, alors que les preuves tirées de la raison ne sont que très peu sujettes à ceci, c'est-à-dire à l'entente et à l'union. Non, mes frères, effectivement, si on regarde bien, et si on raisonne, non, rationnellement, si chacun donne son avis sur la religion, en disant par exemple, ils sont face à un verset coranique, et on demande l'avis de chacun, on a 5 personnes par exemple, qu'est-ce que tu penses de ce verset? Qu'est-ce que tu penses de ces versets? La troisième personne, la quatrième personne, la cinquième personne. Chacun donne son avis. Au final, on suit qui? Chacun, quand il donne son avis, il pense être sur la voie juste. N'est-ce pas le cas? C'est le cas. Donc, il va dire, moi, je pense que c'est la vérité, je ne suis pas obligé de te suivre. Et l'autre, il va dire, moi, je pense que c'est moi qui ai raison, je ne suis pas obligé de te suivre. Ma raison me dit que... Et l'autre, il va dire, non, moi, ma raison me dit que... Et chacun d'entre eux, intérieurement, il considère qu'il est plus objectif dans ses choix, il est plus intelligent, il est plus perspicace, il a plus de recul. Chacun, il croit ça en lui-même, mais il va pas le dire. Il va pas le dire devant ses co-religionnaires. Mais il va dire, je pense que... Et au final, il va y avoir autant d'avis que de personnes. Et chacun suivra son avis de son côté. C'est exactement l'état dans lequel se trouvent les gens de l'innovation. Lorsqu'ils ont fait dévancer la raison sur les textes religieux, chacun voyant que ce qu'il a est la vérité. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَغْرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْمٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ne soyez pas comme ces associateurs qui ont divisé la religion et qui se sont constitués en clans, chacun étant content de ce qu'il a. يقول المؤلف بل عقل كل واحد يرى غيره على غير ما يرى عليه نفسه وهذا بين والحمد لله وبهذا يظهر أن أهل الحديث هم أهل الحق وأن كلمتهم واحدة. Il dit, bien au contraire, la raison de chaque personne considère autrui sur une autre position qui est la sienne, et ceci est clair par la grâce d'Allah. Par ceci, il apparaît clairement que les gens du hadith sont les gens de la vérité et que leurs propos ne sont qu'un seul et même propos. Naam, les frères. Le mu'allif met le doigt sur quelque chose de très important. Sur le fait que les sahaba ont divergé, mais leur divergence, elle ne constituait pas un préjudice pour la religion. Et comment différencier la divergence qu'il y avait entre les compagnons et les divergences qui sont survenues par la suite, et qui, elles, ces dernières, sont préjudiciables, et sont interdites et blâmables? C'est que les divergences qui eurent lieu chez les compagnons, elles étaient sur une base commune, c'est-à-dire l'islam, et sur des fondements communs. Et ils perduraient, malgré ces divergences, il y avait parmi les compagnons cet amour, cette compassion qu'ils avaient les uns envers les autres. Cette envie de prodiguer le conseil. Naam, il n'y avait pas cette haine qu'on voit actuellement chez les gens de la dissension et de la discorde, parmi les gens de l'innovation et autres. Malgré les divergences qu'ils avaient,
Ils étaient unis sur la vérité. يقول المؤلف وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اختلفوا في من بعده في بعض أحكام من الفروعيات فلم يفترقوا بسبب ذلك ولم يسيروا شيعة لأنهم لم يفارقوا الدين ونظروا فيما أذن لهم من الاجتهاد في الاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا فاختلف أقوالهم وآراؤهم في بعض المسائل كمسألة الجد وذوي الأرحام ومسألة الحرام في أمهات الأولاد وغير ذلك من مسائل البيوع والنكاح والطلاق وكذلك في مسائل من باب الطهارة وهيهات الصلاة وبعض فروع العبادات فصاروا باختلافهم في هذه الأشياء محمودين وهذا النوع من الاختلاف عندهم قد أيدهم ربهم فيه باليقين فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح وبقيت بينهم أخوة الإسلام ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. Les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam radiallahu tabaraka wa ta'ala anhum se sont divisés après lui dans certaines lois concernant les ramifications de la religion. Mais ils ne se sont pas divisés à cause de ceci et ils n'ont pas formé de clan. Ces divergences qu'il y a eu entre eux dans les ramifications de la religion n'ont pas été une cause de division entre eux. C'est important à comprendre ça, mes frères. Bien que certaines personnes de l'innovation à notre époque essayent de nous faire croire que les compagnons se sont divisés entre eux et ont divergé les uns envers les autres. Ceci est totalement faux. Mais ils ne se sont pas divisés à cause de ceci et ils n'ont pas formé de clan car ils ne se sont pas détachés de la religion et ils ont considéré dans ce qui leur était permis de faire d'avoir recours aux efforts d'interprétation juridique concernant les déductions des règles religieuses tirées du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à défaut de trouver un texte. Lorsqu'il n'y avait pas un texte clair sur certaines problématiques qui tranchaient entre eux, alors ils faisaient ce qu'on appelle l'ijtihad ou l'istinbat, l'ahkam shar'iyya. Ils faisaient ce que font actuellement al-mujtahidun, c'est-à-dire ces savants-là qui font cet effort d'interprétation juridique afin justement de donner un avis juridique sur telle ou telle chose, en l'absence de texte. Mais s'ils trouvaient un texte, alors alhamdoulilah, l'affaire elle était réglée entre eux. Leurs propos et leurs points de vue divergèrent sur certaines problématiques, comme la problématique du grand-père dans l'héritage. Ils ont divergé dessus. Et toute personne liée par le sang, concernant la problématique de la parenté qu'on a avec la mère des enfants, etc. Ou alors toutes les problématiques concernant les ventes, le mariage, le divorce, ainsi que certaines problématiques relevant de la purification, de la façon de prier et certaines ramifications des actes d'adoration. Et ils étaient, dans leur divergence sur toutes ces problématiques, mahmoudine, louable. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابْ فَلَهُ أَجْرَانُ فَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Lorsque le hakim ici, il a le sens de juge, le qadi, ou alors le savant qui fait cet effort d'interprétation juridique, lorsqu'il juge sur une affaire, et qu'il touche le juste, et qu'il a raison, et qu'Allah lui a donné la réussite dans cette chose-là, il aura deux récompenses. La récompense de son effort et la récompense du fait qu'il a donné un avis qui est conforme à la législation d'Allah. Mais s'il fait cet effort d'interprétation et qu'il a tort ou qu'il s'est trompé, il a quand même une récompense. De par l'effort qu'il a fait, de par cet ijtihad qu'il a fait. C'est en ce sens que Cheikh Hassan dit « Fahum mahmoudoun » Ils sont louables dans ce qu'ils ont fait, dans ce que les sahabas ont fait comme effort d'interprétation juridique. Il dit, car cette sorte de divergence chez eux fut une cause par laquelle leur Seigneur les a assistés dans ceci par la certitude. Et malgré toutes ces divergences, ils montraient de l'affection entre eux et prodiguaient le bon conseil. La fraternité de l'islam n'a cessé de perdurer parmi eux et l'union entre eux ne s'est point interrompue. Voilà les frères. La différence entre Sahaba qui ont divergé, fi masa'il al-fiqhiyya, et ceux qui ont divergé par la suite, min ahli al-bid'ah. Parmi les gens de l'innovation. Les gens de l'innovation ont divergé sur des principes qu'ils ont inventés eux-mêmes. Et ils ont fait ce qu'on appelle el-wala ou el-bara, l'alliance et le désaveu sur ces principes. Tu es d'accord avec nous, tu es notre allié. Tu es en désaccord avec nous, tu es notre ennemi. ثم يقول شيخ الإسلام وأما أهل الأهواء المرضية التي تدعو أصحابها إلى النار
فإنهم اختلفوا وظهرت بينهم العداوة وتباينت آراؤهم وصاروا أحزابا فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة وهذا يدل على أن هذا التباين والفرقة إنما وقع في المسائل المحدثة التي ابتدعها لهم الشيطان فألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا وليرمي بعضهم بعضا بالكفر والبدعة والضلال. Quant aux gens des passions mortelles qui appellent ses partisans au feu, ils ont divergé et l'animosité est apparue parmi eux. Leurs avis se sont singularisés. Singularisés dans le sens où ils sont devenus des avis personnels, chacun combattant pour son avis. Et ils se sont constitués en clans, ou en groupes, ou en sectes. La fraternité dans la religion s'est interrompue et l'union est tombée. Et ceci montre clairement que cette division et cette dissension est survenue dans des problématiques inventées et innovées que Satan a légiférées et inventées pour eux. Non, les frères, il a jeté ceci dans la bouche de ses partisans et de ses alliés afin qu'ils divergent et afin de jeter la mécréance, l'innovation et l'égarement les uns envers les autres. Comme nous l'avions déjà vu dans un chapitre consacré à ceci. Donc, une des caractéristiques les plus probantes des gens de la Sunna, El Ulfa, Awilittilaf, l'entente, l'union. Comme actuellement, nous sommes dans une problématique où les gens ont divergé concernant le début du mois de Ramadan. Non, les frères, le début du mois de Ramadan. Quelle est la position à adopter par rapport à ceci d'une manière générale? Il faut revenir au texte religieux. Quand le Nabi alayhi salatu wa salam, fil hadith al-sahih, Prophète a dit wa salam, soumou li ru'yatihi wa fturu li ru'yatihi. Jeûnez dès lors que vous la voyez, c'est-à-dire ce croissant de lune, al-hilal, et rompez le jeûne à la fin du Ramadan dès lors que vous le voyez. C'est un hadith qui est muhkam, qui est clair. La khilafa bayna al-ulama fi hadhihi al-mas'ala. Aucune divergence. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dit non. On fait abstraction de ceci et on vous définit des horaires de début du mois de Ramadan et de fin du mois de Ramadan sur 5 ans. On fait une projection sur 5 ans, comme ça vous êtes tranquille. Al-Musta'an. Man ikhtalaf, qui a divergé? Les gens de la Sunna qui se sont attachés au hadith ou alors ces gens-là? Ces gens-là, n'âme les frères. Qui leur a insufflé ça? Si ce n'est Shaitan, pour diviser la communauté. Donc la position à adopter par rapport à nous, c'est quoi? C'est revenir au texte religieux. Comment l'ont compris Sahaba, ou As-Salaf al-Salih, et les savants qui ont cheminé leur voie. Et ils sont unanimes, alhamdulillah, sur le fait que le calcul astronomique, on le prend juste quand il vient conforter la vision. On voit par exemple le début du mois de Ramadan, le croissant de lune. Ensuite, on peut aller voir le calendrier ou l'astronomie ou les calculs, et on dit oui, effectivement, même astronomiquement parlant, ça vient conforter ce qu'on a vu. Là, c'est permis de le faire. Amma, faire abstraction de la vue, ru'yatul basariya, et s'appuyer juste sur le calcul, ceci est contraire à la voie des salafs. Donc vous avez compris cette problématique de l'ittifaq, l'ittilaf. On se regroupe sur quoi? On se regroupe certes, mais sur la vérité. Sur les textes authentiques du prophète, du livre d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous rapporte une parole de Omar ibn Abdel Aziz, qui est né en 61. Il a été calife en 99. Il est mort en 101 de l'Égypte. Il a été calife 2 ans. Et ce fut un grand calife. Rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Et il était versé dans les sciences religieuses. يقول من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. Il dit رحم الله تبارك وتعالى, celui qui expose sa religion en la mettant comme une cible pour les polémiques sera sujet à de nombreux changements et à de nombreuses instabilités dans sa religion. C'est-à-dire que celui qui expose sa religion aux avis des gens, par exemple, il va voir quelqu'un: quel est ton avis sur ça? La personne dit, moi je pense que ça. Alors il le suit. Et puis il va voir un autre,
Il dit, quel est ton avis sur ça? Moi, mon avis, c'est ça. Alors, il va le suivre. Alors, il passe d'une position à une autre. Il change de religion à chaque avis. Non, il suit les avis des gens. Il suit la raison des gens. C'est le sens de la parole de Omar ibn Abdel Aziz. Pour être immunisé contre ces variations et cette instabilité dans la religion, il faut revenir à quoi? À la source. Au livre d'Allah, la sunna du prophète, sallam. Et là, on est sûr, alhamdulillah, que notre religion sera stable et ferme et solide. Alhamdulillah. Ibn Battata, juste après, Ibn Battata, يعني من علماء الحنابلة يقول في الإبانة بسنده عن إسحاق بن عيسى الطباع قال كان مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن بطة un grand savant parmi les grands savants de l'école de l'imam Ahmed Ibn Hanbal a évoqué dans son livre Al-Ibana, c'est un livre qui retrace les fondements des gens de la Sunna, par une chaîne d'une transmission d'après Ishaq ibn Isa al-Tabba, qui a dit Malik ibn Anas, vous le connaissez tous, l'imam Malik, critiquait la polémique dans la religion. Il disait, à chaque fois qu'un homme vint à nous plus polémiqueur qu'un autre, il a souhaité de nous que nous rejetions ce avec quoi Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que quelqu'un est venu polémiquer avec eux, au final, c'est comme s'il leur disait de rejeter une partie de la révélation sur laquelle étaient ces grands savants. Non, les frères. Donc, il faut faire attention à toutes ces causes de division et de discorde. Ça y est. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet car on l'a déjà traité en détail. L'imam Malik aussi dit un peu plus loin. Donc c'est la page 369 au milieu de la page. حتى كان الإمام مالك رحمه الله يقول لا تغبط أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. Cette parole-là vient introduire un nouveau sujet qui est le raffermissement dans la religion et la patience et patienter sur la vérité. L'imam Malik il dit quoi? رحمه الله تبارك وتعالى. N'enviez personne n'ayant pas été éprouvé dans cette affaire, c'est-à-dire l'islam. N'enviez pas une personne n'ayant pas été éprouvé dans cette affaire. Cheikh Rastan explique cette parole en disant يعني أن الله لا بد أن يبتلي المؤمن فإن صبر رفع درجته كما قال تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقال سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Cheikh Rastan dit, en commentaire de la parole d'Imam Malik, n'enviez personne n'ayant pas été éprouvé dans cette affaire, c'est-à-dire dans l'islam. Il dit, c'est-à-dire que certes Allah éprouvera nécessairement le croyant. Le croyant, il sera éprouvé. Allah éprouvera nécessairement le croyant. Et s'il patiente, il élèvera ses degrés. Comme le dit le Très-Haut, Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah reconnaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et Allah le Très-Haut a dit, nous avons élu parmi eux des dirigeants qui guidaient par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient, qu'ils patientaient et croyaient fermement en nos versets. Et Allah dit aussi, par le temps, certes, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement la patience. L'ibtila, mes frères, l'épreuve qu'Allah descend ou par laquelle il éprouve ses serviteurs est une chose qui est connue, notamment chez les gens de la vérité. Pour preuve, l'auteur du livre va nous ramener un cas probant
chez les salafs. Comment ils patientaient? Écoutez bien, mes frères. وَمِنْ سُوَرِ الثَّبَاتِ الْعَظِيمَةِ مَا وَقَعَ مِنَ الْإِمَامِ الْقُدْوَةِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدِ بْنِ سَهْلٍ غَرَمْلِي الْمَعْرُوفِ بِبْنِ النَّابُلْسِ رحمه الله تبارك وتعالى. قال الذهبي قال أبو ذر الحافظ سجنه بن عبيد وسلبوه على السنة سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول كان يقول وهو يسلخ كان ذلك في الكتاب مسطورا. Parmi les formes de raffermissement et de stabilité grandiose que l'on peut citer parmi nos pieux prédécesseurs, il y a celle dont a fait preuve l'imam, le guide Abu Bakr Muhammad ibn Sahl al-Ghamli, connu sous le nom de Ibn al-Nabulsi, qui est mort en 363 de l'Hégire, 4e siècle il a vécu. Écoutez bien mes frères. L'imam al-Dahabi rapporte. Abu Dhar al-Hafiz a dit, les Banu Ubayd, c'est ceux qui avaient la gérance de l'Égypte à l'époque. Non, à cette époque-là. C'est eux qui dirigeaient l'Égypte et les alentours. Minar Rawafid. Ils faisaient partie des Shia, des Chiites, Rawafid. Il dit, les Banu Ubayd l'ont emprisonné et l'ont crucifié de par son attachement à la Sunna. J'ai certes entendu Darqutni, le grand imam, le Muhaddis al-Hafiz, Darqutni, l'évoquer et pleurer, disant, il disait, il parle ici de Ibn al-Nabulsi, il disait alors qu'on lui a arraché la peau. Al-Salkh, c'est le fait d'arracher la peau. Comme on arrache la peau d'un mouton. Vous voyez, on appelle ça le salkh. Il disait, on l'avait mis sur un poteau et on lui a arraché la peau. Et il disait, il récitait cet imam, un verset coranique, cela est bien tracé dans le livre. C'est-à-dire, c'est le décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Regardez la patience dont il faisait preuve. Regardez, écoutez bien mes frères. Qala Abu al-Faraj ibn al-Jawzi. أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي وكان ينزل الأكواخ فقال له بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في غروم السهم وفينا 9 يعني في العبيديين غروافض قال ما قلت هذا بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم بتسعة وأن يرمي العاشر فيكم أيضا فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية فشهره ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسرخه. Je vais déjà vous traduire ceci. Abu al-Faraj al-Jawzi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit Jawhar, qui était un des représentants du gouvernement à l'époque, présenta à Abi Tamim, gouverneur d'Égypte, Abu Bakr al-Nabulsi. Il l'emmena devant lui et lui dit, il m'est parvenu que tu as dit, si l'homme possède 10 flèches, il lui est obligatoire d'en lancer une contre les Romains et 9 contre nous. C'est-à-dire 9 contre nous, les Ubaydiyyin. Est-ce que cette parole est vraie? Il dit, je n'ai jamais dit ceci, mais j'ai plutôt dit, s'il possède 10 flèches, il lui est obligatoire d'en lancer 9 contre vous, et ainsi que la 10e. Car certes, vous avez altéré la religion, et vous avez tué les vertueux, et vous avez prétendu avoir la lumière divine. Abi Tamim, il dégaina son épée et il le frappa. Puis il ordonna un juif de le dépecer. Le dépecer, c'est-à-dire lui arracher la peau. Écoutez bien les frères, c'est pas fini. Qala ibn al-Akfani. وذكر القصة فصرخ وحشيت ابنا وصلب فقتل على السنة مقيما عليها ثابتا صرخ حيا رحمه الله تبارك وتعالى بيد يهودي بأمر العبيديين الروافض الذين قلبوا الدين ظهرا لبطن وسبوا الصحابة وغيروا الملة. Il fut tué sur la sunna, droit sur elle, ferme. Il était ferme. Il a été dépecé vivant. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Par la main d'un juif, sous l'ordre des Ubaydiyyin, al-Rawaf et des Shia, qui ont inversé la religion sans dessus dessous, ont insulté les compagnons et ont altéré
la religion. Regardez la patience dont faisaient preuve les gens de la vérité. Non, mes frères, les gens de la vérité étaient fermes et solides sur leurs convictions religieuses. Non. Mais ici, le Mu'allif nous dit aussi que certaines personnes de l'innovation peuvent montrer de la patience, comme on l'a des cas bien précis à travers l'histoire. Mais leur degré de patience, il est équivalent au degré de vérité qui se trouve en eux. Ni plus ni moins. Comme on l'a déjà vu, chez les gens de la passion, chez les gens de l'innovation, chez les gens de l'égarement, il y a une part de vérité chez eux. Non. Car nous avions dit et nous avions rapporté la parole de l'imam al-Qayyim al-Jawziyya qui avait dit « L'innovation religieuse, c'est un mélange de vrai et de faux. Car si c'était que du vrai, alhamdoulilah, ça serait la sunna du prophète, ça serait en conformité. On ne dirait pas que c'est une innovation par définition. Si ça serait que du faux, les gens s'empresseraient de la réfuter. Mais le fait que les gens la suivent, c'est que justement le faux et le vrai est mélangé. Donc chez les innovateurs, il y a une part de vérité et une part de faux qui est mélangée. Donc ici, le Cheikh Al-Aslam nous dit que on peut trouver chez les gens de l'errance, de l'égarement, de l'innovation, une certaine patience dans les épreuves. Mais cette patience-là, elle est due au fait qu'ils ont en eux une part de vérité. Car une personne, elle ne pourra jamais patienter sur le faux. Elle patientera toujours sur la vérité. Donc, sa patience sera dans la mesure de la vérité que se trouve en lui. Là, je vais voir un exemple concret là-dessus, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais avant ceci, je vais vous rapporter ce que dit l'imam, le mu'allif, Cheikh Hassan, hafidhullah, tabaraka wa ta'ala. Il dit « وَمَنْ صَبَرَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاهِ عَلَى قَوْلِهِ فَذَاكَ لِمَا فِي قَوْلِهِ مِنَ الْحَقِّ إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. نعم، ça c'est la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui a rapporté Cheikh Raslan. Il dit toute personne, des gens de la passion, patientant sur ses propos ou sur ses convictions, ne pourra patienter que sur ses propos conformes à la vérité. Que s'ils sont conformes à la vérité. Car il est nécessaire dans chaque innovation religieuse, sur lesquelles s'appuie un grand nombre de gens, qu'il y ait une part de vérité avec laquelle est venu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et étant en conformité avec ce sur quoi sont les gens de la sunna du hadith, ce qui occasionne obligatoirement son acceptation. Car le faux dans son intégralité ne saurait être accepté. C'est-à-dire, Cheikh Hassan nous dit, que si les gens de l'innovation étaient venus avec le faux dans son intégralité, ils ne sauraient être acceptés aucunement. Non, les frères. Mais ils viennent avec la moelle du faux et l'habit avec l'écorce de la vérité. Non, c'est une expression qui dit, où on dit en arabe, « Ya'touna bi mukh al-batili wa yaksunahu liha al-haqqi » Ils viennent avec la moelle du faux, c'est-à-dire dans leur intérieur, dans leur fondement, c'est faux, mais ils le font paraître comme étant conforme à la sunna. Donc la moelle, c'est du faux, mais l'écorce ou l'apparence, c'est la sunna. Ils viennent avec la moelle du faux et l'habit avec l'écorce de la vérité afin de dénaturer ce faux aux yeux des gens. Donc toute personne, des gens de la passion, qui patientera sur ses propos et sur son errance, ne le fera que par le fait qu'il a dans ses propos une part de vérité. Non. Pour montrer un petit peu ceci, nous avons ceux qui ont tué ou celui qui a commandité le meurtre de Ali ibn Abi Talib, Khariji. Non, il s'appelait Abdurrahman ibn Muljim. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient trois personnes. Non, il y avait Abdurrahman ibn Muljim, il y avait Balq al-Tamimi et il y avait Amr ibn Bakr al-Tamimi. Ces trois-là, min al-Khawarij, ils faisaient partie de Khawarij. Abdurrahman ibn Muljim a dit Ana li Ali, moi je me charge de Ali ibn Abi Talib. Balq al-Tamimi a dit moi je me charge de Muawiyah. Non. Amr ibn Bakr al-Tamimi a dit moi je me charge de Amr ibn al-As qui était gouverneur d'Égypte à l'époque. Non.
Abdurrahman ibn Muljim, il avait préparé un poignard. Il l'a préparé pendant une semaine. Et lorsqu'il a poignardé Ali, Ali est mort à la suite de ceci. Là. Donc il l'a poignardé. Et lorsqu'ils l'ont attrapé, sur le coup, Ali n'est pas mort. Il a dit, laissez-moi lui régler son cas. Peu de temps après, Ali est mort. Ils ont pris cet homme-là, Abdurrahman ibn Muljim. Ils lui ont coupé les mains. Ils lui ont crevé les yeux. Et ils lui ont dit, ils ont voulu lui couper la langue. Il a dit, non, non. Les gens lui ont dit, c'est maintenant que tu as peur? Il a dit, je n'ai pas peur. Il a dit, je ne considère pas de vivre sans que je puisse évoquer mon Seigneur. Je ne pourrais pas supporter de vivre sans évoquer mon Seigneur, donc laissez ma langue, afin que je puisse continuer à l'évoquer. Mes frères, est-ce que la piété d'une personne prouve qu'elle est sur la vérité? Non, jamais. Ce n'est pas un critère. La preuve, regardez. Il a dit, coupez-moi, crevez-moi les yeux. Coupez-moi les membres du corps, mais laissez-moi ma langue afin que je puisse continuer à évoquer Allah. Alors que c'est celui qui a tué le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib. Est-ce que la piété est une preuve que la personne est sur la vérité? La thumma la. Non, ce n'est pas un critère de jugement. Imran al-Hattan, qui est un des grands poètes parmi les Khawarij, il a vanté cet homme, Abdurrahman ibn Muljim. Il lui a dit quoi? Il a dit, Ya darbatun li taqiyin ma arada biha li yablaha min zil arsh ridwana. Inni la azkuruhu hinan fa ahsibuhu awfal bariyati inda Allahi mizana. Ce qui signifie, Ya darbatun, par la frappe, par le coup d'un épée, provenant d'un homme pieux, qui n'a recherché l'agrément qu'auprès de celui qui détient le trône, c'est-à-dire Allah. Certes, parfois, je l'évoque, et je me rappelle de lui, et je le considère comme ayant la balance la plus remplie de bonnes actions auprès d'Allah. Naam, les frères? Imran al-Hattan, min shu'ara al-Khawarij. Mais, ulama al-sunnati wal-jama'a raddu alayhi radda, faqalu. يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا. Il a dit, oh, par la frappe de cette épée venant du plus malheureux, de la personne la plus malheureuse, qui n'a voulu atteindre auprès de celui qui détient le trône que la perdition. Il n'a recherché ça qu'au final. Certes, parfois je l'évoque et je le considère auprès d'Allah comme la personne la plus malheureuse. Naam, les frères. Et il a dit aussi, un autre a dit aussi, écoutez bien. Inni la abra'u mimma anta qailuhu an ibn muljim al-mal'un buhtana ya darbatan min shaqiy ma arada biha illa liyahdama lil islam arkana inni la azkuruhu yawman fa al'anuhu dunyan wa al'anu umrana wa hittana alayhi thumma alayhi ad-dahr muttasilan la'ainu Allah israran wa i'lana fa antuma min kilab an-nar ja'a bihi nass ash-shari'ati burhanan wa tibyana. Ce qui signifie, certes, ça c'est le qadi Abu Tayyib qui dit ça. Après que Imran al-Hattan a dit ce vers de poème en vantant Abdurrahman ibn Muljim, il a dit, certes, je me désavoue de ce que tu es en train de dire. Sur Ibn Muljim, le maudit et le calomnieur. Non? Oh, toi le malheureux qui a frappé en recherchant par ceci à détruire l'islam ou les fondements de l'islam. Certes, parfois je l'évoque et je le maudis. Dans cette vie-là, et je maudis Imran et je maudis Hattan. Aussi longtemps que le temps courra, la malédiction d'Allah sur lui, en cachette et en public. Vous êtes certes vous deux, et là il parle de Imran al-Hattan et d'Abdurrahman ibn Muljim. Vous êtes tous deux des chiens de l'enfer, par lequel le texte de la charia est venu explicitement et en toute clarté.
Voilà les frères. Est-ce que Abdurrahman ibn Muljim n'a pas patienté? Est-ce qu'il n'a pas fait preuve de raffermissement? Oui. Car chez le Khawarij, il avait une part de vérité. Walakin, est-ce que ce raffermissement auprès d'Allah, il est louable? Non, Mahmoud ou Mazmoum? Mazmoum. La shakka fi dhalika. Et donc, ce n'est pas tout raffermissement, toute patience qui est louable dans l'islam. C'est seulement la patience qui est sur la vérité. Non, les frères, c'est celle-là qui est louable et qui sera récompensée auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et enfin, pour finir, يقول المؤلف وكان مالك رحمه الله تبارك وتعالى يذم ذلك ذما شديدا ويقول أو كلما جاءنا رجل هو أجدر من رجل تركنا ما نحن عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعناه لا يصح لنا إذن دين ولكن نستقيم على منهاج النبوة قد صدقنا وسلمنا وآمنا واتبعنا ونثبت على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ومن ثبت على المحجة وهي البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فهو الناجي حقا وصدقا. Donc l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, réprouvé et blâmé ceci de façon sévère, il disait, c'est-à-dire le djidel, qui est une cause de non-raffermissement dans la religion, il disait à chaque fois qu'un homme vint à nous, étant plus polémiqueur que son contemporain, délaisserions-nous ce sur quoi nous sommes de la sunna de l'envoyé d'Allah et suivrions-nous cet homme? Bien sûr que non. Et Cheikh Raslan dit, dans ce cas, si nous faisions ceci, en suivant les avis d'un tel et un tel, sans preuve tirée du livre et de la sunna, dans ce cas, aucune religion ne saurait être valide. Naam, et accepté auprès d'Allah. Mais bien au contraire, nous cheminons avec rectitude sur la voie prophétique. Nous avons déclaré véridique et nous sommes soumis. Nous avons cru et nous avons suivi. Et nous sommes fermes sur ce avec quoi est venu notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui est ferme sur la voie, cette voie-là qui est blanche de nuit comme de jour, dont laquelle nul ne pourra s'égarer sauf celui qui est destiné à la perdition, celui-là sera celui qui sera sauvé en toute vérité et en toute sincérité. Allah tabaraka wa ta'ala yuthabbitana wa yuthabbit dinana wa an yuriyana al-haqqa haqqa wa yarzuqana ittiba'ah wa an yuriyana al-batila batilan wa yarzuqana ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna idha shi'ta sahla. Ya musaghrif al-qulub saghrif qulubana 'ala al-iman wa at-taqwa. Ya musaghrif al-qulub سغرف قلوبنا على الإيمان والتقوى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وقل رب زدني علماً.